les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Donc pour le mois de décembre, qui arrive à grands pas, on va voir quel est le signe. Alors, nous allons faire les Verseaux. Donc pour vous qui êtes Verseaux, ce tirage est pour vous. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Tout d'abord avec une carte des anges, Dieu et déesse. On va voir l'énergie forte pour vous, les Verseaux. Alors, décembre 2020. Nous avons la déesse de la nature. Alors, je vais vous montrer l'illustration. Ici, on a cette couleur verte, ce bleu également. Et c'est tout ce qui est en lien avec la terre, tout ce qui vous entoure. Donc, on peut parler ici de la nature, des ressources de la terre. On vous dit, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, avec cette carte, c'est que vous allez recueillir, vous allez avoir ici des récoltes par rapport aux fruits que vous avez semés, à tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc on parle d'une récolte importante, mais on parle aussi d'alignement par rapport à la terre, par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc une forte connexion avec la nature, avec les animaux également. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, on va prendre le Téléma, le Normand, pour faire le tirage en 13 cartes. On va voir ce qui ressort au niveau général pour les Verseaux. Je vais juste, hop là, mettre ici votre signe et je ne sais pas si... Voilà, comme ça vous voyez aussi la carte. Alors, les Verseaux pour décembre. Quels sont les messages importants pour vous? Alors, on a une carte qui tombe, on a la carte de la Lune. Alors ici, on nous parle de beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est être très réceptif, justement, et être reconnecté à votre inconscient. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre réceptivité, dans tout ce que vous ressentez en vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'ours. Et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette énergie féminine qui est présente pour vous. Donc on nous confirme ici beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition également. Et la carte de l'ours avec cette carte ici nous montre une grande force intérieure, une force qui est décuplée. Donc ici, on voit que pour vous, les Verseaux, vous allez faire preuve d'une grande détermination, mais aussi sentir quelque chose qui se renforce dans votre vie, quel que soit le domaine, on parle ici d'être très ancré. Donc il y a cet alignement, je ressens ici comme un alignement entre vos pensées, vos intuitions. Il y a vraiment des choses qui sont fortes ici pour vous. Alors, on va piocher les 13 cartes. Une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? C'est bon. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. Pour vous, si j'arrive à rattraper les cartes. Alors, nous avons ici la carte de l'arbre. Donc, voyez, on a ce retour à la source. On a quelque chose ici qui est très ancré. Ça peut concerner aussi votre bien-être, votre alignement intérieur. Donc, de manière plus large, on peut parler aussi de votre santé, de votre état intérieur, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique. Il y a quelque chose que vous développez pour vous sentir de mieux en mieux, pour vous sentir bien et en équilibre avec tout ce que vous traversez actuellement. Alors, la première carte ici, on a la carte de l'enfant. Donc l'enfant ici, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre pour vous. Ça peut concerner aussi un enfant.
soit votre enfant, soit un enfant dans votre entourage, mais ici on va parler de nouveauté, on va parler de démarrer quelque chose. C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, à ses émotions, laisser parler cette joie intérieure également, c'est l'énergie de l'enfant. On a aussi la carte du vaisseau. Alors, cette carte du vaisseau avec la carte de l'enfant peut être justement cette sensation que les choses avancent, que par rapport à certaines choses aussi, vous prenez le large. C'est comme si vous alliez vers un nouvel horizon. Donc, il peut y avoir une sensation que les choses avancent pour vous. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte du vaisseau, c'est que vous quittez une situation où il y a une prise de distance par rapport à certaines choses pour enclencher un nouveau départ. On va voir ce qui ressort après. On a la carte de l'ours. Alors ici, notamment, on nous parle de renforcement intérieur. On nous parle de beaucoup de détermination, mais aussi une grande avancée dans vos projets. Avec cette énergie-là, on voit que vous commencez quelque chose de nouveau avec une grande persévérance, avec une grande force intérieure, mais qu'aussi, en vous, il y a des choses qui avancent. Comme si vous ressentiez, c'est comme l'énergie du voyage intérieur ici, c'est un grand mouvement en soi, dans ses intuitions, qui permet justement de se reconnecter à ses projets et à la terre, à tout ce qui se développe. On a aussi la consultante. Donc là, les cartes ressortent exactement comme dans la coupe. On retrouve ces deux cartes ensemble. Ici, c'est soit par rapport à vous, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, peu importe, cette carte vous représente, c'est une énergie d'intuition et de réceptivité. On peut nous parler également sur le plan financier qu'il y a un nouveau départ qui s'enclenche pour vous, mais aussi le fait que vous avez de nouveaux projets, le fait que vous mettez en place de nouvelles actions pour faire avancer les choses. Donc également beaucoup de mouvements intérieurs pour vous, mais aussi cette profonde reconnexion qui est importante. On va voir ce qui ressort avec ceci. On a la carte de l'ancre. Ici, on voit des choses qui sont développées. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de cartes d'ancrage également. Avec l'ours, l'ancre, l'arbre, on est sur du concret et dans un alignement intérieur. Mais aussi pour vous, ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette sensation qu'il y a quelque chose qui commence par rapport à des choses auxquelles on était attaché, c'est comme si on se libère de certaines choses. Peut-être d'un attachement qui nous bloquait, parce que le vaisseau ici montre que vous prenez le large, vous prenez de nouveaux horizons. On a la carte des chemins. Donc ici, il peut y avoir de l'indécision qui est présente. Il peut y avoir beaucoup de questionnements sur quelle voie emprunter, quelle voie se présente à vous. Mais il y a ici aussi également plusieurs chemins qui se présentent devant vous. Donc c'est une possibilité de prendre une direction, celle qui vous parle le plus, celle que vous ressentez le plus en vous. Après, dans un aspect financier également, on peut nous parler de choix par rapport à votre vie matérielle, d'une prise de décision pour s'ancrer, retrouver un confort de vie, trouver une stabilité. On voit qu'il y a des choix importants par rapport à ça. On a aussi la carte du cœur. Ici, on va voir par la suite ce qui ressort, mais avec cette carte des chemins, on voit qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements par rapport au plan affectif, au plan amoureux. Il y a de l'indécision qui est présente, il y a des questionnements, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup de fortes émotions en vous. On voit qu'il y a des choses que vous libérez, des choses auxquelles vous étiez attachés, ce sentiment où on se libère, mais on voit aussi que vous prenez un nouveau chemin. Donc là, il est question de retrouver une force intérieure. On a aussi la carte de la Vierge. Donc, dans votre vie amoureuse, adaptée en fonction de ce que vous traversez, si vous êtes en relation avec une personne ou célibataire, ou dans une autre situation, il y a une sensation de surmenage, de conflit, peut-être de tensions qui sont présentes, et justement cette sensation que vous avez besoin en fait d'aller vers un nouveau départ. Il y a cette sensation avec le vaisseau que on était peut-être attaché à des choses, on avait besoin de comprendre pourquoi il y a certains schémas qui se répétaient aussi dans sa vie sentimentale, et aujourd'hui on prend conscience de ce qui bloquait, des choses qui étaient néfastes, des peut-être de certains blocages, de certaines limites aussi.
On a ici la carte du consultant. Donc on a les deux personnes qui ressortent. En tout cas, on voit deux personnes qui sont en opposition, deux personnes qui se tournent le dos, des personnes qui ont peut-être du mal à dialoguer, du mal à concrétiser des projets ensemble. Mais il y a besoin ici de réaligner les choses peut-être au niveau d'une entente, au niveau d'un chemin que vous prenez, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a une prise de direction et certaines choses à apaiser. On a aussi la carte du Lys. Alors ici, on voit une personne qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de démarches à mettre en place. Ça peut vous parler également de choses que vous mettez en place sur le plan administratif. Donc là, on peut nous parler de papier, tout ce qui touche au plan officiel, concrétiser un projet de cœur, officialiser quelque chose que vous aimez énormément. Et en même temps, c'est ça, c'est cette prise de conscience-là qui vous permet de vous libérer de certains schémas. Parce que vous avez foi en ce projet, vous y mettez tous vos efforts, tout votre investissement personnel et vous prenez un nouveau départ. On a la carte du cavalier. Donc ici, sur le plan affectif, il y a cette sensation où les choses avancent, mais aussi où vous êtes poussé vers ce nouveau départ. On peut parler ici d'accélération. Au niveau émotionnel, il y a peut-être une instabilité qui est présente, mais je pense que cette prise de conscience qui est en vous, elle vous amène à faire avancer les choses, puisque le cavalier, c'est une énergie très dynamique. On est en mouvement, on a besoin aussi de faire de nouvelles choses. Ça peut être aussi se dépenser à travers un sport, une activité. Donc besoin que les choses bougent, mais dans des activités où on se sent bien. Ensuite, on a la carte de la lettre, ici. Donc, avec ces deux cartes, on peut avoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Il y a aussi des nouvelles concernant l'aspect financier, des personnes proches de vous, je dirais des personnes de votre foyer, une situation financière à régler, à gérer. Et par rapport à ça, il y a de nouvelles informations, peut-être un courrier qui vous parvient. On a aussi la carte des poissons. Donc la carte des poissons ici montre beaucoup d'émotions et avec cette carte de l'encre, ça montre bien que vous êtes peut-être dans une situation de libération au niveau d'une dépendance, que ce soit affectif ou au niveau d'une substance pardon, ou autre. Mais en tout cas, les choses avancent. Vous mettez en place des démarches qui sont très concrètes. Ici, on a aussi cette notion d'officialisation, mais comme si vous projetiez peut-être un voyage pour le futur, un projet de se déplacer, mais c'est lié aussi à peut-être un nouvel endroit, à l'étranger. On a aussi ça qui ressort. Donc prenez ce qui résonne en vous par rapport à ce tirage. On va continuer. On va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Alors, hop là. Donc, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Ici, nous avons la carte des larmes. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Ça peut être du chagrin, de la peine en vous. On a la carte du lit aussi. Un besoin de se détendre, de prendre du temps, du repos également. Alors, pour les Verseaux, quels sont les messages importants pour vous? On a la protection. On vous dit ici que par rapport aux situations que vous traversez, il y a une grande aide, il y a une protection divine avec vous. Vous êtes entouré pour avancer de manière plus en paix, plus serein aussi. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la carte de l'imprévu et nous avons la carte du soleil. Ici, il y a une situation inattendue, quelque chose qui arrive à vous de positif. C'est s'ouvrir à la joie, au bonheur et c'est aussi des situations qui sont importante pour avoir de nouvelles possibilités. Donc une situation soudaine, quelque chose qui vous surprend, mais dans un sens favorable. Alors, on va faire le petit tableau. Nous avons la carte des montagnes, la justice, l'équilibre, le choix, l'introspection, le H, l'automne, la lettre, les chemins, le travail et la sagesse. Nous avons au dos la signature, concrétiser un projet,
Vous pensez énormément, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets en tête et un désir d'être dans le concret, dans la stabilité. On a ici peut-être une phase, on retrouve un équilibre par rapport à une phase de blocage. On réfléchit énormément. La carte de l'introspection, c'est se recentrer, c'est avoir... C'est se connecter à l'intérieur de soi, c'est entamer peut-être des démarches pour avancer. Mais on voit avec cette carte de la lettre aussi qu'il peut y avoir cette connexion par des communications, par des échanges. On a notamment cette nouvelle qui arrive ici. Pour moi, c'est vraiment le plan financier. Je ressens ça, le plan financier, une situation à régler. Comme si peut-être qu'il y avait un blocage, soit par rapport aux finances, soit par rapport à un projet concret. On a aussi la carte de l'équilibre, la balance ici, donc on pèse le pour et le contre pour pouvoir prendre une direction. Mais on voit aussi cette carte où il y a plusieurs voies possibles, il y a plusieurs directions qui sont devant vous, qui ne demandent juste qu'à s'ouvrir, qu'à ce que vous puissiez voir ce qui se présente à vous. La carte du H et l'automne, ici, peut parler aussi d'une régénération. Je ressens aussi quelque chose où on prend de la hauteur. Avec le H, on prend de la hauteur sur les situations. On prend une direction et on met beaucoup d'efforts dans ces projets. On travaille énormément au fait de s'investir, de donner énormément d'énergie dans ce que l'on souhaite. Donc on voit beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité également. Un grand renforcement, mais aussi une prise de hauteur importante. Ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les cartes du 77. Alors, on va aussi tirer des cartes avec l'oracle de Béline. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour les Verseaux. On a ici le trafic. Donc ici, on peut parler de mouvement, on peut parler d'un nouveau départ où il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent dans votre vie. Dans la coupe, nous avons la carte de l'eau et on a l'étoile de la femme. Ici, on a encore cette énergie du vaisseau comme dans le petit Lenormand, faire avancer les choses, être dans... un grand mouvement intérieur, sentir que les choses avancent dans des efforts que l'on met en place, dans ses actions. La carte de la femme, c'est aussi beaucoup de sensibilité qui ressort, c'est beaucoup de douceur, hein. Une connexion justement dans son cœur, dans ce que l'on ressent. Alors, nous avons ici la carte de l'union. Nous avons l'appui, l'intelligence, la méchanceté, la stérilité, la ruine, et nous avons l'amour. On a le retard avec l'accident. Alors, on parle ici d'un événement qui est arrivé soudainement, qui a peut-être retardé certaines choses, comme un événement qui a fait irruption dans votre vie. Ici, sur le plan affectif, il y a comme une sensation de délivrance, comme si on s'était senti... intérieurement avoir besoin en tout cas de se reconstruire. On s'est peut-être senti vraiment trahi ou rejeté parce qu'on a la carte de la méchanceté. Donc peut-être qu'une personne dans votre vie amoureuse n'a pas été agréable avec vous et a eu des mots blessants. On a aussi la carte de l'appui, l'union et l'intelligence. Et donc on voit que le plan affectif, le plan émotionnel est important pour que vous puissiez retrouver confiance en l'amour, en l'autre aussi, en la personne qui partage votre vie. Mais l'amour, c'est quelque chose ici de fort. On a cette énergie principale où les émotions sont décuplées, où on ouvre son cœur à quelque chose de nouveau. Et aussi, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup mûri sur une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort vraiment avec ces énergies-là. Alors, on va voir également pour vous au niveau amoureux. Donc on va prendre le 77 doré. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Alors, au niveau amoureux pour les Verseaux. Ici, je ressens du dynamisme. On a ici la lettre. Donc,
possiblement des communications écrites, hein, beaucoup de messages écrits. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons ici le printemps et nous avons l'imprévu. Encore une fois, on a beaucoup de situations inattendues, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui se développe au niveau amoureux, affectif. Alors, nous avons la ligne, nous avons le serpent, la vipère, le changement positif, le oui, le labyrinthe, le VRP, tout ce qui est lié à une assise, à quelque chose où on se sent plus à sa place. On a le soleil, le surmenage et le point d'interrogation. On a des cartes quand même qui annoncent ici une grande maturité, une grande sagesse. On voit qu'il y a cette sensation aussi qu'il y a eu comme des événements répétitifs, des choses qui sont revenues. Et une grande prise de conscience par rapport à ça. Le oui, le labyrinthe, ici montre que vous trouvez des solutions pour sortir de blocages, pour sortir de situations difficiles. Et on voit qu'il y a un grand changement, il y a des choses qui évoluent ici. Parce que aussi on voit que vous vous sentez plus à votre place, plus aligné avec ce que vous souhaitez mettre en place. Et au niveau amoureux, que vous pouvez accueillir quelque chose de nouveau. Vous avez en tout cas le recul nécessaire, la patience, le recul pour avancer. La carte du soleil et le surmenage ici montrent que vous apportez aussi beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité. C'est aussi, dans une relation, apporter de l'abondance, apporter quelque chose de riche, de positif. Et se poser aussi les bonnes questions. Avec cette carte, il y a un questionnement ici qui est important, une grande réflexion sur ce que vous souhaitez mettre en place. Mais les choses évoluent et c'est en lien avec beaucoup d'efforts également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. On va aussi tirer une carte pour voir le conseil. Quel est le conseil des anges pour vous? Le conseil pour vous. Nous avons l'archange Raphaël. Donc je vous montre ici la carte. On a cet archange de guérison, de soins, d'ancrage également. On est vraiment relié à la terre. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc cette notion d'effort ressort ici, c'est le fait que vous vous investissez pleinement et que par rapport à ça, l'univers souhaite vous récompenser, vous envoyer des énergies positives pour que vous puissiez persévérer, continuer d'avancer. Donc ça, c'est le message des anges. Et pour finir, on va prendre une carte, on va prendre un petit mandala, voir le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons ici celui-ci. Magnifique, je trouve. Ils sont tous très très beaux. J'adore cette couleur. On vous dit le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc encore une fois, cette notion d'effort, le plus important, c'est que vous puissiez avancer et évoluer et de ne pas être retenu par des énergies négatives, de penser au positif pour aller vers une évolution, pour aller vers une ascension. Plus vous donnez d'efforts, plus vous vous investissez, plus les choses avancent. Et par rapport à votre cheminement, ici on peut nous parler du fait que vous trouvez votre voie, que vous trouvez un accomplissement. Donc ça, c'est un très beau message pour vous, je trouve. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, comment cette guidance résonne en vous, comment cela
peut vous aider aussi. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like qui m'encourage beaucoup. Je vous en remercie d'avance. Une très belle soirée à vous, très belle journée également, et un beau mois de décembre. Et je vous dis un grand merci.